Hey, Ohio, Minasan! Donc voilà, on se retrouve pour la suite de l'épisode 117 de Fallout 4. Donc voilà, c'est la suite et voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Et voilà, on est de retour là, au même endroit pour l'épisode dernier. Bon, il y a encore les cadavres, c'est bien. Comme ça, j'aurais pas à les tuer. Ok. Il faut aller où? Les installer, Mila, tac-tac. Ok, 40 mètres, 40 mètres, ok, 34. Qu'est-ce que... De quoi? Y'a plus rien, t'en penses quoi? Je sais pas. Alors, je suis Gahulo. T'as sûrement raison. Y'a du Gahulo sur le tour. Qui est là? Ça sera pas long, Vicky Delay! Tu vas crever, t'entends? Ça c'est fait. Ok, ça me dit à 37, mais c'est peut-être en hauteur, ouais. Mais où? Ah bah voilà, c'est la banque. Ok, donc c'est dans cette banque. Ok, donc en gros je dois y aller sur le toit, youpi. Allons sur le toit alors. Génial. Ok. Tout ça pour une chiotte. Ok. Ok, d'accord. Activation. Protectron au rapport. Génial.
Bloc-note, ok. Voilà un truc là. Joli. On va ouvrir qu'est-ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant, on sait jamais, hein. Ouais. Waouh. Le pactole. Il n'y a pas grand chose. Enfin, ah, si, de l'argent, ouais, il y a là, beaucoup d'argent. Beaucoup de dossiers, ok, d'accord. Vas-y, là, avancez, quoi. Dans l'autre sens. Encore un peu. Un chouïa. Encore un chouïa. Voilà. Ouais. Ok. En tout cas, c'est dans le coin. Voilà. Non, alors c'est de l'autre côté alors. Alors c'est dans ce côté. Voilà. Joli. Nice. Joli, joli, joli. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Tout est un joli coffre avec plein de munitions et tout, mais ouais. Ok. Attention. Interférer avec la tâche d'un robot représentant de l'ordre est un crime. Lequel qui va en haut, lequel qui va en bas? Ok, celui-là il va en bas, donc c'est pas celui-là. Ok. C'est l'autre. Descente. Ah, c'est en haut qu'il faut que j'aille. Non. C'est quoi ce bruit? Ouh, le son il est chaud, bizarre. Vous allez continuer longtemps à vous charger de trucs inutiles. Ouais, ouais. Ok. Voilà, ça c'est fait. J'ai cru qu'il y avait un truc là. Ok, bon, ben on va rendre les quêtes, hein. Rapidos. Alors, on va commencer par. Et au rapport, faire ça, ces deux-là. Au poste de police. Ok, bon, on va rendre ses quêtes. Hein. Maxon peut sembler doté d'une grande compassion.
avec un vent de là. J'espère que ce secteur a été nettoyé. Oui, il a été nettoyé. Affirmatif. Vraiment. Vous n'êtes peut-être pas aussi inutile que je le pensais. Tenez, votre paiement. On reçoit sans cesse des rapports de reconnaissance. Quand ça vous dira de repartir en mission, revenez me voir. C'est bon pour moi. Très bien. Je vais indiquer l'endroit sur votre carte. On se revoit quand la cible aura été nettoyée. Ok. Ne tournez jamais le dos à un artilleur. Sauf si vous aimez vous faire descendre en traître, bien sûr. Vous avez vu ces synthétiques... Excusez-moi, Scribe Ellen. J'espère que vous nous rapportez l'artefact en un seul morceau. Tenez, le voici. Excellent. Je vais le faire enregistrer et le préparer à l'expédition. Tenez, c'est pour vous. Votre découverte va faire plaisir à nos scribes. Le Commonwealth n'est pas près de manquer de matériel technologique. Prévenez-moi quand vous voudrez une autre mission. Affirmatif. Bien. J'ai indiqué le lieu sur votre carte. Ouvrez l'œil. Scribe Ellen. Faites bien attention quand vous cherchez des artefacts. On n'est sûrement pas les seuls à fouiller le Commonwealth pour en trouver. Ok. Voilà, ça c'est fait. J'ai rendu les cas de ces deux personnes. Il paraît que l'aîné Maxon a reçu la balafre qu'il a au visage en se battant seul contre un écorcheur. Ah bon. Cool. Donc maintenant il ne reste plus que la girouette et nourrir les troupes. Je vais faire nourrir les troupes en premier et girouette après. Ok. Ok, on est sur le petit vaisseau. Je vais en profiter aussi pour me débarrasser des armes et tout. Si j'arrive encore. Et voilà, on est de retour. Ok. À tout le personnel. Oh putain, à faire d'arriver, hein. Mais tout contact non autorisé avec les autochtones du Commonwealth nous est strictement interdit. Veuillez décliner la nature de l'urgence médicale. Si vous avez pratiqué ce genre de fraternisation, présentez-vous sans attendre au capitaine Chevalier Cade pour décontamination immédiate. Quoi de neuf, docteur ? Je n'ai rien du tout, je regrette. J'essaie juste de faire mon travail. Ok. Non, merci. Très bien. En passant, je vais... Il y a des jours où je me dis que je n'arriverai jamais à répondre à toutes ces demandes de recherche ou de documentation technique. Alors, j'ai deux documents. J'ai trouvé des documents techniques pour vous. Ils ont l'air très intéressants. Je vais les enregistrer sans perdre un instant. Voici les capsules promises. Putain, j'en ai eu 25. 625 capsules. Le Commonwealth, c'est une source quasi infinie de documentation technique. Fouillez de fond en comble les bâtiments que vous explorez au cours de vos patrouilles. Et vous pourriez avoir d'excellentes surprises. Ouais. Miaou. Le chat. Si vous en avez besoin, vous trouverez un abri et des provisions au commissariat de Cambridge. Ok. Avec le soutien de la confrérie, nous n'échouerons jamais. Hein? Ouais, ouais. Je vois, tu sais, s'ils ont mangé du scotch. Mais là. Sur ordre de l'aîné Maxon. Toutes les formes de technologie doivent être confisquées ou récupérées. Regardez qui voilà. J'imagine que tout s'est bien passé. Ouais. Oui. La récolte n'attend plus que nos récupérateurs. Vous êtes du genre efficace, hein? Voilà les capsules que je vous avais promises. Prévenez-moi quand vous aurez envie de rendre visite à une autre ferme. Si ces fermiers savaient ce qu'on fait chaque jour pour eux, ils feraient la queue pour nous aider. Au rapport. Vous commencez vraiment à me plaire. Apparemment, il y a une autre ferme qui attend votre visite. C'est quoi déjà la mission ? Informer les... Ouais, ça, je sais. Ça marche. Je m'en doutais. J'indique la ferme sur votre carte. N'oubliez pas qu'il nous faut leur entière collaboration. Encore ? Ne laissez pas le désespoir vous envahir. Ouais. Nous sommes là pour sauver le Commonwealth. Ok. –
Surveillez mes arrières, et je surveillerai les vôtres. Ouais. C'est plus propre, et j'adore cette odeur d'ozone si caractéristique quand on presse la détente. Mais qui c'est de la gâchette, putain. Et voilà, dans le QG. Hop, on va parler au Mister, là. Les gens commencent à paniquer en voyant ces trucs dans le ciel. Je croyais que c'était les extraterrestres de Tom la Bricole. Les extraterrestres existent vraiment ? Tais-toi. Ce dirigeable s'appelle le Pridwen, et il appartient à la confrérie de l'acier. C'est un ordre militaire parfaitement organisé et extrêmement bien équipé. Ouais. Ils sont venus ici pour éliminer les synthétiques. Merde ! Faites passer le mot. La confrérie est notre ennemi. Oh, fuck. Aucune paix n'est possible entre nous. Tom la Bricole va élaborer un plan d'urgence pour contrer la menace de la confrérie. Nom de code, Opération Lumière Rouge. En attendant, on les surveille de près et on les tient à distance de nos opérations. Notre objectif principal reste l'Institut. Vous avez reçu vos ordres de mission. Alors mettez-vous au travail. Les crises s'enchaînent. Bienvenue alors, au QG. À moins que vous ayez besoin de mes compétences médicales. Allez embêter. Pam veut vous parler. Elle est Mila nous transmet un paquet d'infos. À première vue, l'atmosphère a l'air normale. Mais je vais creuser un peu plus ces données. Si vous avez un peu de temps, j'ai déjà trouvé un autre endroit où placer un de mes bébés. Ok. Ok, donc maintenant j'ai un autre girouette, chantier de Cambridge. Ok. Bon, ça je ferai un peu plus tard. Excusez-moi, je suis occupé. Ok, d'accord. Ça fait un bail que je me suis pas fait à refaire le portrait. Tiens, et si je devenais blond cette fois? Ça m'irait bien, autant. Lol. Excusez-moi. Vous voulez que je revienne? Je dois bien admettre que c'est drôlement calme sans vous. Bon, on va essayer avec lui, tiens. Avec Deacon. Allons-y. Je suis prêt. D'accord, Deacon. C'est votre tour, j'imagine. Soyez prudent. Merci, MacCready. Faites-en autant. MacCready, je vais t'envoyer... J'envoie où ? Je t'envoie où ? Je vais l'envoyer au château, tiens. Ok. Bon, ben voilà, je pense que je vais vous laisser sur cet épisode. Donc voilà. Donc j'ai fait des quêtes annexes et des petites quêtes, on va dire entre guillemets. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tard pour une autre, on va dire. D'exploration ou de quête. Donc voilà, c'était Guincho. Bye bye!